Paris a-t-elle été le théâtre d'une nouvelle campagne d'influence étrangère ? C'est la question qui se pose après la découverte de 5 cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel samedi dernier. 3 suspects ont été placés en garde à vue et présentés à un juge d'instruction ce lundi. Voici le déroulé des faits. On est samedi matin, il est aux alentours de 8h30 et une camionnette blanche immatriculée en Bulgarie fait des allers-retours suspects dans le 7e arrondissement de la capitale. Le véhicule finit par s'arrêter dans une allée. Vers 9h, 3 hommes s'en approchent avant de déposer devant la Tour Eiffel 5 cercueils de taille réelle recouverts d'un drapeau français. Sur le dessus, on peut lire « Soldats français de l'Ukraine ». À l'intérieur, des sacs de plâtre. 3 personnes sont rapidement interpellées. Le chauffeur bulgare, la quarantaine, aurait raconté aux policiers avoir été payé 140 euros pour effectuer cette mission. Il dit ne pas connaître ses 2 complices, un Allemand de 25 ans et un mineur d'origine ukrainienne. Eux auraient touché 400 euros. Ils ont été interpellés à la gare de Bercy alors qu'ils tentaient de fuir à bord d'un Flixbus en partance pour Berlin. Alors le parquet de Paris n'a pas confirmé, en tout cas pas encore, la piste d'une manipulation étrangère dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais les enquêteurs ont reconnu le nom d'un homme qui était déjà mêlé à l'affaire des mains rouges. Rappelez-vous, c'était au mois de mai dernier. 35 mains rouges avaient été taguées sur le mur des justes du mémorial de la Shoah. Un mode opératoire qui fait écho à ces nombreuses étoiles de David bleues qui avaient, elles, été dessinées au pochoir sur les bâtiments de Paris au mois de novembre. Un acte que les autorités françaises avaient imputé au FSB, les services de sécurité russes. Pour ce qui est des cercueils, une ouverture d'information judiciaire va tenter de faire toute la lumière sur l'ombre d'une manipulation étrangère dans cette nouvelle affaire.